Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon avis sur ce transat pour bébé de Baby Bjorn. C'est le transat balance soft en mèche aérée, une matière que je vais vous en parler durant la vidéo. Tout d'abord, ce que j'aime sur ce transat, c'est qu'il est simple, pratique et surtout très léger. Franchement, il est très facile de transporter partout dans la maison sans devoir se casser le dos dû à sa légèreté, ce qui est vraiment déjà un très bon point pour moi. Le transat a trois positions différentes, ce qui permet de l'adapter et de l'ajuster au bébé au fur et à mesure qu'il grandit. Donc on règle la position ici. Donc la toute première position qui est en bas comme ça, c'est pour les nouveau-nés. Et puis dès qu'ils puissent tenir leur tête, je mets la deuxième position. Et dès qu'ils peuvent s'asseoir, hop, tout seul, troisième position. Donc c'est vraiment très simple à l'utiliser. Et puis ce qui est idéal, c'est qu'avec le bouton rouge, si vous l'appuyez comme ça, hop, il devient tout plat. Donc vous pouvez le plier, c'est vraiment très facile et en plus pour le rangement parce qu'il ne prend pas beaucoup de place. Donc moi j'aime beaucoup cette option-là. Il rebondit vraiment très facilement comme vous pouvez le voir. Voilà, regardez, hop. Il suffit juste de pousser un tout petit peu et voilà. Il apaise et calme le bébé assez rapidement dû à ses mouvements. Mon bébé, il s'endort souvent lorsqu'il est dedans. Par exemple, lorsque j'ai besoin d'avoir les mains libres ou de m'asseoir pour manger, je le mets dans le transat et je le bascule avec mon pied. Et quelques minutes après, lorsque je jette un coup d'œil sur le bébé, voir comment il va, il s'est déjà endormi. Donc, vraiment utile. Ce qui est bien aussi avec ce transat, c'est qu'une fois que votre bébé commence à bouger ses pieds ou ses mains, ça stimule un mouvement naturel au transat et il rebondit automatiquement. Et en plus de ça, il stimule l'équilibre et la motricité du bébé. Donc, un autre bon point. Un autre plus dans ce transat, c'est le tissu. Donc, il y a plusieurs options et moi j'ai choisi le tissu à mèche aérée. Parce qu'il est très doux, léger et rapide au séchage lorsque vous voulez le laver. Il est très confortable, douillet et convient bien à la forme du crâne, de la tête du bébé. Parce qu'il s'agit d'un design ergonomique, donc il soutient bien le dos, le cou et la tête du bébé. Et parce qu'il est en tissu souple et non rigide, dur, il ne rend pas la tête du bébé plate. Ce qui est également une autre bonne chose à mon avis. Un de mes points favoris est justement ce tissu qui est très facile à enlever et à laver. Vous l'enlevez comme ça, hop, voilà. Et ça y est, vous pouvez directement le mettre à la machine à laver. Franchement, moi j'adore. Facile à remettre, facile à enlever. Moi j'adore les choses simples, donc voilà. Un autre bon point pour moi. Concernant le poids et l'âge recommandé pour ce transat, il peut être utilisé dès la naissance, avec un minimum de 53 cm jusqu'à l'âge de 2 ans. Et le poids, il doit être au minimum de 3,5 kg et maximum 13 kg. C'est déjà très large. Oh, et dès que votre bébé pèse environ 9 kg, il peut se servir de ce transat comme chaise confortable, juste en retournant le tissu, comme ça, hop. On va le mettre comme ça, hop. Voilà. Et voilà, tada! C'est pratique, non? Une des choses que moi j'ai pas aimé au début, c'était le prix. Il coûte environ 180 francs suisses, ce qui est 170 euros, 150 pounds et environ 200 dollars. Voilà, moi je le trouvais assez cher pour un si simple transat, mais avec l'utilisation que j'en ai fait, franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Je le recommande même à tous mes amis qui recherchent un simple transat pour bébé. Donc voilà, voilà mon opinion sur ce transat pour bébé. J'espère que ça vous aidera à vous décider si vous voulez l'acheter ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo et ce genre de vidéos sur les produits puériculture ou la vie de maman, n'oubliez pas de cliquer sur le like et de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait un grand plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine !